Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Paul Biya retiré sa candidature pour la présidentielle de 2025. Jean Couté claque la porte. La démission qui plonge le Cameroun au bord du chaos. Quand ceux qui ont toujours soutenu le pouvoir prennent leur distance, le sol même du pouvoir vacille sous leurs pas. À l'approche des élections de 2025, le Cameroun se retrouve plongé dans un climat politique tendu, où la stabilité autrefois vantée semble céder sous le poids des crises internes. En effet, dans un revirement aussi inattendu qu'historique, Jean Couté, figure politique de premier plan et jusque-là fidèle allié du président Paul Biya, a choisi de se retirer de ses fonctions. Cette décision a l'effet d'une onde de choc au sein du gouvernement et parmi le peuple camerounais, marquant une étape décisive dans l'évolution politique d'un pays habitué à des décennies de continuité. Jean Couté, longtemps vu comme un symbole de loyauté et de modération au sein de l'administration Biya, était perçu comme un artisan de l'équilibre au sein de la majorité présidentielle. Il incarnait cette continuité que prenait le président, garantissant stabilité et sécurité dans un Cameroun souvent exposé à des tensions régionales et internes. Sa démission, annoncée de manière sobre mais ferme, a plongé le pays dans une incertitude profonde, car Couté n'a pas seulement été un simple allié, mais une figure rassurante pour ceux qui voyaient dans l'ordre établi une réponse aux défis du pays. Les circonstances de cette démission sont d'autant plus troublantes que Jean Couté a toujours défendu les choix politiques de Paul Biya avec une conviction inébranlable. Cependant, dans son discours de départ, il a laissé transparaître un malaise face à la direction que prend le Cameroun. « J'ai servi avec loyauté et dévouement, mais aujourd'hui, l'intérêt du Cameroun exige de nouvelles perspectives », a-t-il déclaré. Pour lui, les défis qui attendent le pays nécessitent un renouvellement de la pensée politique, un changement profond et non une simple continuité. Cette déclaration, bien que concise, a soulevé une série de questions et de spéculations. Beaucoup se demandent si Couté a choisi de partir par conviction personnelle, ou s'il s'agit d'une décision influencée par des pressions internes. Dans un contexte où les tensions montent autour de la longévité au pouvoir de Paul Biya, certains pensent que Couté pourrait avoir subi des pressions pour préserver sa réputation et s'éloigner d'une situation devenue intenable. Pour les partisans du régime, la décision de Jean Couté est vue comme une trahison, une rupture dans la loyauté qui a longtemps soutenu le président. Nombre d'entre eux estiment que ce départ n'est qu'une tentative de plus pour fragiliser le gouvernement et nourrir les critiques extérieures. Dans les cercles pro-gouvernementaux, cette décision est interprétée comme un signal d'alarme, une marque de défiance face à une machine politique bien huilée mais désormais vulnérable. Pour d'autres, en revanche, la démission de Couté incarne un acte de courage et d'intégrité. Il voit en lui un homme d'État qui, malgré les années de service, a su reconnaître le besoin de changement. Des voix, notamment parmi la jeunesse camerounaise, saluent ce geste comme un exemple à suivre, celui d'une génération de dirigeants qui osent enfin penser aux intérêts à long terme du Cameroun plutôt qu'à la pérennité d'un système en place depuis des décennies. Cette admiration pour Couté est alimentée par un sentiment de désillusion croissant envers le gouvernement, perçu comme figé dans une logique de pouvoir sans renouvellement. Les médias locaux et internationaux ont immédiatement relayé la nouvelle, et les analyses furent. Des débats enflammés font rage dans les émissions de radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Les Camerounais, qui vivent pour la plupart dans une réalité quotidienne difficile, se demandent ce que signifie ce départ pour l'avenir politique de leur pays. Ce départ soudain remet en question la solidité du soutien autour du président Biya, alimentant les discussions sur la possibilité d'un changement plus large dans la structure politique du Cameroun. Ce climat d'incertitude s'est également traduit par des manifestations sporadiques dans plusieurs villes du pays. Pour une partie de la population, notamment les jeunes, cette démission est un catalyseur d'espoir, un signe que des figures influentes commencent à écouter les aspirations populaires. Les jeunes, qui aspirent à un avenir différent, plus ouvert et plus transparent, voient dans le geste de Jean Couté une ouverture vers de nouvelles possibilités politiques.
Mais cette euphorie est tempérée par la crainte que les autorités ne répriment toute velléité de changement, comme cela s'est produit dans le passé. Pour Jean Cuété, sa décision semble refléter une prise de conscience des tensions croissantes au sein du pays, mais aussi de l'évolution de l'opinion publique, de plus en plus critique envers le statu quo. Sa démission envoie un message fort à ses anciens collègues, les invitant à réfléchir sur la direction que prend le Cameroun. Il a même suggéré, dans son discours, qu'un changement est non seulement inévitable mais nécessaire pour éviter que le Cameroun ne sombre dans une impasse. Le gouvernement, pour sa part, n'a pas tardé à réagir, minimisant l'impact de cette démission. Dans un communiqué, les autorités ont affirmé que le départ de Jean Cuété ne modifie en rien les objectifs du président Biya et que la continuité reste l'axe central de leur stratégie pour le pays. Toutefois, cette réaction n'a pas suffi à apaiser les inquiétudes. Au contraire, pour beaucoup, elle illustre un déni face à des réalités de plus en plus pressantes. Dans les cercles diplomatiques, cette affaire est suivie avec une attention particulière. Les partenaires étrangers du Cameroun se montrent préoccupés, craignant que cette démission ne soit le signe de tensions latentes susceptibles de déstabiliser davantage le pays. Certains diplomates voient dans cet événement une opportunité de dialogue pour poser les bases d'une transition politique pacifique. D'autres, cependant, craignent que le régime réponde par une stratégie de fermeture, accentuant les contrôles pour éviter d'autres départs ou contestations. La diaspora camerounaise, quant à elle, observe cette situation avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Nombreux sont ceux qui estiment que la démission de Jean Cuété est un signal d'alarme qui ne doit pas être ignoré. Pour eux, c'est l'occasion de poser les questions essentielles sur le type de gouvernance dont le Cameroun a besoin pour affronter les défis du 21e siècle. Les échanges sur les réseaux sociaux montrent une diaspora majoritairement en faveur d'un renouvellement politique, d'un gouvernement plus représentatif et plus ouvert aux idées nouvelles. En même temps, la démission de Jean Cuété ravive le débat sur la place des figures politiques emblématiques dans un Cameroun moderne. Si des personnalités comme Cuété commencent à abandonner leur poste, cela pourrait encourager d'autres à faire de même, créant une dynamique de renouvellement au sein du gouvernement. Pour certains analystes, cela pourrait être le signe précurseur d'une ère nouvelle, où le Cameroun se détournerait de la fidélité absolue pour privilégier la compétence et la transparence. Face à cette situation, le président Paul Biya se retrouve dans une position délicate. Sa réaction sera déterminante pour l'avenir du régime. S'il choisit de minimiser la démission de Cuété, il pourrait perdre encore davantage la confiance d'un peuple qui réclame des réformes. Mais s'il décide d'en faire une opportunité de dialogue et d'ouverture, il pourrait préserver un minimum de stabilité et apaiser les tensions montantes. L'affaire Jean Cuété, pour beaucoup de Camerounais, est révélatrice des défis auxquels le pays fait face. Elle soulève la question du renouvellement politique dans un contexte où le gouvernement a souvent privilégié la continuité à tout prix. Mais cette fois, les choses semblent différentes. La démission de Cuété pourrait bien marquer le début d'un changement de mentalité au sein de l'élite politique camerounaise, ouvrant la voie à de nouvelles générations et à une gouvernance plus en phase avec les aspirations populaires. Des rassemblements spontanés de soutien à Jean Cuété ont été observés dans plusieurs villes du pays. Pour ses sympathisants, son geste est un modèle d'intégrité et de responsabilité. Ils le voient comme un leader qui a su écouter son peuple et prendre la décision difficile de partir, plutôt que de cautionner un système qu'il juge désormais inadéquat. Cette reconnaissance populaire témoigne de la soif de changement qui anime une partie de la population camerounaise, convaincue qu'un renouveau politique est la seule voie pour bâtir un avenir meilleur. Mais au-delà des débats politiques, la démission de Jean Cuété touche profondément le cœur de la société camerounaise. Dans les discussions de rue, les marchés et les quartiers, chacun y va de son commentaire. Pour certains, cette démission est le symbole d'une fracture au sein de l'élite politique, une preuve que même les plus proches alliés du président commencent à remettre en question la direction du pays. Pour d'autres, elle est un acte de courage qui appelle à une prise de conscience collective, un appel à l'engagement pour construire un Cameroun nouveau. En conclusion, la démission de Jean Cuété a plongé le Cameroun dans un climat d'incertitude et de questionnement. Ce départ inattendu soulève des interrogations fondamentales sur l'avenir du pays,
sur la Merci cher auditeur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.